Les causes exactes de sa mort doivent encore être déterminées, mais, selon les premiers éléments fournis par la famille, l'homme serait décédé en raison de problèmes cardiaques. Elle n'aurait donc pas de lien avec l'agression. Pour autant, des investigations ont été lancées. Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte. Explique le parquet de Bobigny auprès du Parisien. À ce stade, aucun rapprochement n'est fait entre les deux événements. Le 9 janvier dernier, Ali avait été attrapé par un automobiliste et traîné dans la rue. Dans une vidéo amateur, sous-titrée « Fou rire de la soirée ». Deux extraits durant chacun quelques secondes filment le conducteur qui agrippant un homme tout en continuant à rouler, ce qui contraint la victime à courir, jusqu'à tomber au sol. Puis c'est au tour d'un autre homme de subir le même sort. « Voilà, tu vas courir !» lui lance l'automobiliste. « Arrête tes conneries !»« Arrête, je vais tomber !» le supplie le piéton. Retenu par la main, et qui tente de s'agripper à la portière pour ne pas tomber. Le conducteur lui lâche finalement la main et l'homme s'effondre par terre. Les scènes provoquent l'hilarité des occupants du véhicule, qui quittent les lieux en laissant leur victime au sol. Ali, l'une des deux victimes, avait été blessée en tombant et avait déposé plainte. Une enquête pour « violence avec arme en réunion » avait été ouverte et trois hommes ont depuis été mis en examen.